300 000 personnes marchent pour protéger le climat. Leur objectif, pousser 200 pays à agir contre le réchauffement climatique sous l'égide de l'ONU. Dans le passé, aucun accord n'a jamais abouti. La faute à une certaine inertie diplomatique, mais aussi à un mouvement qui a instillé le doute sur la réalité du problème, le climato-scepticisme. Ce mouvement est-il suffisamment puissant pour faire échouer des négociations? Quelles sont les armes à sa disposition pour mener la guerre du climat ?